1848, fut érigée à l'emplacement de la future fontaine une statue de la liberté brisant ses fers. Elle sera détruite 3 ans plus tard sous le Second Empire. La fontaine était surmontée d'un génie ailé, debout sur une boule et tenant d'une main un flambeau et de l'autre un miroir. En 1954, la foudre s'abat sur la colonne et détruit la statuette. Tandis que cette même année, le froid bat des records de température et tue des centaines de personnes. Le génie ailé renaît, c'est refait.